Tu te souviens avoir bougé sur ces planches à roulettes pendant les cours de PS? Ou plus précisément, de t'être tapé les doigts à plusieurs reprises en te tenant au poignet? D'une manière ou d'une autre, il semble que ces planches aient été conçues pour causer le plus de dégâts possible à nos doigts. Mais il s'avère qu'on est tous passés à côté de l'utilisation correcte de ces poignées sur les côtés. Devine quoi? Ce sont des protège-doigts, pas des poignées! Les boucles en plastique sur les côtés des planches sont justement conçues pour protéger les doigts des dégâts que nous nous sommes tous infligés en les utilisant mal. La bonne façon de s'accrocher est de glisser tes mains dans le trou et de saisir la base de la planche elle-même. Ainsi, tu empêches tes articulations de heurter d'autres planches et obstacles pendant que tu t'amuses. Lorsque tu sors de la douche et que tu t'enveloppes dans un peignoir douillet, comment es-tu censé le nouer? Comme ça, non? Avec la ceinture qui passe dans toutes les boucles, attachées autour de ta taille. Après tout, c'est comme ça que toutes les ceintures fonctionnent. Eh bien non, les peignoirs de bain tiennent en fait mieux lorsqu'ils sont attachés de la façon suivante. Fais glisser la ceinture dans les deux premières boucles sur le devant et serre-la. C'est alors tellement plus facile de l'enrouler bien serré. Regarde ce symbole de division. Tu n'en as sans doute jamais compris la signification, à vrai dire peu connue. C'est une fraction, mais avec les chiffres représentés par des points. C'est plutôt logique, mais il semble qu'aucun d'entre nous ne l'ait remarqué. Si tu ouvres un avocat en deux mais que tu ne le consommes pas en entier, il existe un moyen d'éviter qu'il ne noircisse. Conserve-le dans un verre d'eau au réfrigérateur. Il durera alors 2 à 3 jours de plus. Lorsque tu prépares du pop-corn au micro-ondes pour ta soirée cinéma et que tu es sur le point de le verser dans un bol, arrête-toi! Il y a une fonction utile intégrée au sachet pour micro-ondes que presque personne n'utilise. Une fois que tout a éclaté, l'extrémité du sac aura une légère ouverture. Avant de l'ouvrir plus largement, renverse le sachet et secoue-le. Il est conçu pour que ces vilains grains non éclatés en tombent. Débarrasse-t'en et tu auras un bol de pop-corn parfait. La crème solaire en spray a une fonction inconnue qui peut s'avérer pratique si tu as une trace de marqueur permanent sur la peau. Il suffit de vaporiser de la crème sur le marqueur et de frotter. Et voilà! Cela fonctionne aussi sur les surfaces dures comme les carreaux de ta cuisine. Donc, la prochaine fois que tu déchaîneras ton talent artistique avec un marqueur à un endroit où tu ne devrais pas de panique. Si les piles de ta télécommande sont à plat, il existe une fonction cachée pour leur donner un supplément de vie. Sors-les et frotte les extrémités ensemble des deux côtés. Cela nettoie les points de connexion et permet aux produits chimiques à l'intérieur de se répartir. Cela te donnera un surplus de temps pour courir au magasin et acheter de nouvelles piles. Regarde au plafond, tu vois ton ventilateur? Si tu n'en as pas, fais comme si tu en avais un. Il y a une fonction cachée que tu ne connais probablement pas. Il peut s'agir d'un interrupteur sur le ventilateur lui-même ou d'un bouton sur la télécommande. Mais la plupart des ventilateurs ont la capacité de changer de direction. Et il y a une raison pour laquelle tu veux qu'ils le fassent. En hiver, tu veux qu'ils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui pousse l'air chaud du haut vers le bas. En été, tu veux qu'il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour tirer l'air frais qui s'accumule au sol vers le haut et le faire circuler dans la pièce. Ton micro-ondes a probablement un mode silencieux. Oui, ce plat que tu as réchauffé à 3h du matin en laissant ton doigt juste au-dessus du bouton d'arrêt pour l'enfoncer une seconde, avant que la minuterie ne se déclenche, aurait pu être beaucoup moins bruyant. Ça dépend de la marque, mais en maintenant enfoncé le bouton 0 ou 1, tu devrais pouvoir activer le mode silencieux. Maintenant, tu peux utiliser le micro-ondes à ta guise à tout moment du jour et de la nuit. Ces butées de porte à ressort sur les plinthes ont une autre fonction. Elles permettent de retenir la porte. En les plaquant au sol et en ouvrant la porte au-dessus d'elle, le ressort s'accroche au bas de la porte et la maintient ouverte. Sais-tu que tu as probablement mal lacé tes baskets pendant tout ce temps? Il y a un petit trou en haut, là où se terminent les lacets, qu'on appelle un verrou de talon. Tu devines à quoi il sert? Oui, il bloque tes talons afin qu'ils ne glissent pas et ne te donnent pas d'ampoule, ou ne fasse pas glisser tes chaussettes vers le bas, ce qui est la pire des sensations, n'est-ce pas? Tout ce que tu es censé faire, c'est faire passer chaque lacet dans son trou, ce qui crée une petite boucle. Le lacet opposé passe ensuite dans cette boucle. Attache tes lacets fermement comme tu le ferais normalement, et voilà, tes talons sont sécurisés. En parlant de lacets, si jamais tu les noues si fermement que tu n'arrives pas à les défaire, un ingrédient de pâtisserie possède une caractéristique cachée qui peut t'aider. Oui, tu as bien entendu, un ingrédient de pâtisserie. L'amidon de maïs peut certes rendre ta sauce plus épaisse, mais il peut aussi défaire des nœuds coincés.
Il suffit d'en saupoudrer sur n'importe quel nœud en l'enrobant complètement, et il se dénouera plus facilement. Ça fonctionne avec les colliers, les cordes ou encore le fil. Tu as enfilé la bague de ton ami en oubliant que ses mains sont beaucoup plus petites que les tiennes, et maintenant elle est coincée? Prends simplement un flacon de nettoyant pour vitres. Ce produit a un petit talent caché pour enlever les bagues coincées. Un petit pchit et la bague s'enlèvera tout de suite. Mettons que tu es en train d'écrire quelque chose au crayon, pendant un examen par exemple, mais oups, tu as oublié ta gomme. En revanche, tu n'as pas oublié d'apporter ton sandwich. Par chance, le pain est ce dont tu as besoin pour effacer la réponse erronée que tu viens d'écrire. Roule de la mie de pain bien compacte jusqu'à ce qu'elle ait une texture que l'on peut décrire comme de la gomme, justement. Puis, efface comme tu le ferais avec une vraie gomme. Pourquoi les boulangers nous ont-ils toujours caché ça? Ça aurait pu être utile dans tellement de situations. Si tu portes une veste en cuir, premièrement, tu es cool. Et deuxièmement, tu rates probablement l'utilisation d'une fonction cachée qui est pourtant à la vue de tous. Les sangles sur le haut des épaules de ta veste ne sont pas seulement décoratives. Si tu les déboutonnes pendant que tu glisses les bretelles de ton sac, tu peux les refermer par-dessus les bretelles afin de les maintenir en place. Peu importe le nombre de jumping jacks, de roues ou de pas de breakdance que tu vas faire, ton sac n'ira nulle part. Lorsque tu dois emballer des restes, le papier aluminium est clairement un allié précieux. Mais il a aussi sa place dans la buanderie, grâce à une fonction cachée. Imagine que tu n'as plus de feuilles pour sèche-linge. Tes vêtements sortent de là plein d'électricité statique, à tel point qu'ils font se dresser tes cheveux comme ceux d'un scientifique maléfique de dessin animé. Voici ce que tu dois faire. Fais deux boules bien compactes avec du papier aluminium. Remets tes vêtements dans le sèche-linge avec les boules et relance un cycle de séchage. Ils en sortiront sans électricité statique. Après avoir fait cuire des œufs durs, comment les sortir facilement de l'eau bouillante sans te brûler les doigts? Avec un fouet de cuisine. Pousse-le contre l'œuf et il se retrouvera coincé entre les tiges du fouet. Tu peux maintenant le sortir facilement. Les couleurs des clips de sachets de pain de mie ont en fait une signification secrète. Elles t'indiquent le jour de la semaine où le pain a été emballé. Le bleu signifie lundi, le marron signifie jeudi et le blanc signifie vendredi. La plupart des fabricants de pain suivent le même système, car une entreprise en particulier fournit la plupart de ces clips. Donc, lorsque tu choisis du pain de mie, tu peux évaluer sa fraîcheur grâce à la couleur du clip.